Depuis 3 ans, il n'y a plus de Formule 1 en France, mais cela n'empêche pas le circuit Paul Ricard de continuer d'accueillir l'élite du sport auto mondial. Début mai ont eu lieu les 4 heures du Castellet, la deuxième manche de la saison 2 LMS, l'European Le Mans Series. Alors le LMS, c'est le championnat d'Europe d'endurance. Donc ici, on est sous la manche du Paul Ricard, qui est la seconde manche du championnat d'Europe. Le championnat d'Europe comporte 6 courses dans son intégralité en Europe. Donc la première était à Barcelone il y a un mois, la seconde ici au Paul Ricard. La troisième sera à Imola au début du mois de juillet. Spa-Francorchamps à la fin du mois d'août, le Mugello en Italie au mois de septembre et la finale à Portimao. Le LMS est en quelque sorte la deuxième division de l'endurance mondiale derrière le WEC. On y retrouve 4 catégories, notamment les LMP2 et les LMGT3 qui seront au départ des prochaines 24 heures du Mans, avec quelques pilotes bien connus comme Robert Kubica, Paul Di Resta ou encore Arthur Leclerc, le frère de Charles, le pilote F1 de la Scuderia Ferrari. Le Monégasque roule pour Panis Racing, l'équipe d'Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco 1996 et désormais patron de sa propre structure. J'ai adoré mon métier de pilote, et vraiment. Mais de gérer une équipe avec toute notre équipe, ça me plaît beaucoup. Mais moi, mon ADN, c'est d'aider des jeunes à être plus forts et à devenir professionnels. Cinquième de la première manche de la saison à Barcelone, Panis Racing venait au Castellet pour ne jouer rien d'autre que la victoire avec un trio Arthur Leclerc, Charles Milesi et Manuel Maldonado qui ne disputaient que sa deuxième course ensemble. L'objectif, c'est de gagner, évidemment. On est tous là pour gagner. En tout cas, nous, c'est notre cas. La victoire a pourtant échappé à l'Oreca numéro 65 de Panis Racing, seulement 8e dans la catégorie LMP2. Mais au-delà du résultat, les équipages viennent au Castellet également pour préparer l'échéance principale de l'année, les 24 heures du Mans. C'est des tests grandeur nature. Déjà, faire cohabiter les pilotes ensemble, on a un nouvel équipage cette année. Qu'ils apprennent à se connaître, apprennent des petites astuces aussi avec le team. Oui, c'est une grosse préparation pour les 24 heures. On va dire que le Mans, oui, c'est quand même spécifique. Et le circuit aussi, on ne peut rouler qu'une fois pendant l'année là-bas. Donc forcément, à chaque fois qu'on arrive là-bas, on redécouvre le circuit et surtout en fonction des catégories. Un point crucial de la préparation des équipes, c'est évidemment de comprendre et de travailler sur les pneumatiques. Et pour cela, ils peuvent compter sur le soutien de Goodyear, qui équipe cette année les catégories LMP2 et LMGT3. L'endurance est un élément majeur réellement de Goodyear. Goodyear a été un fournisseur des 24 heures du Mans pendant beaucoup d'années, a eu 14 victoires aux 24 heures du Mans. L'endurance, c'est peut-être le segment sportif, la compétition qui se rapproche le plus des pneus de route. L'élément principal, c'est bien sûr la performance, mais également l'endurance des pneumatiques. Goodyear dépêche un technicien dédié à chaque équipe lors des week-ends de course qui les accompagne et les conseille. En fait, le but, c'est vraiment de travailler main dans la main pour récupérer le maximum d'informations de la part des équipes, de la part des pilotes, etc. De préparer au mieux le week-end de course, donc récupérer tout ce qui est information sur la voiture, sur les réglages, sur le feeling des pilotes, etc. Pour que nous, d'une part, on s'assure que les pneus soient dans la bonne fenêtre d'utilisation, qu'on n'ait pas de problème, bien sûr, et surtout que les équipes soient satisfaites des pneus et qu'elles puissent performer au mieux durant les courses. Ce qui est important pour nous, c'est la relation avec Goodyear. On a une super relation pour essayer de gérer les petites difficultés parce que c'est un circuit très agressif pour les pneus. Donc là, il y a vraiment une relation qui est très étroite avec Goodyear. Donc ça c'est très important pour nous. Et bien sûr, le pneu, c'est la liaison au sol, hein. C'est ce qui fait marcher la voiture. Donc c'est aussi de l'optimiser. Après 4 heures d'effort, c'est l'Oreca numéro 43 d'Inter Europol Competition qui s'est imposé devant Cool Racing et AO by TF qui engage l'ancien pilote de F1 Robert Kubica. Le Polonais fait d'ailleurs partie, comme Charles Milesi, des pilotes qui participeront aux 24 heures du Mans en hypercar après s'être mis en jambe au Castellet pour la très animée deuxième manche de la saison de LMS.